Que fais-tu ? Bien. Gul chérie revient de l'hôpital. Donc, son état va empirer si elle voit ça. Je l'enlève donc. Arrête. Tu devrais moins utiliser ton cerveau. Ce qui doit être fait ou non, c'est moi et maman qui décideront. Demandez-nous avant de faire quoi que ce soit. Tu es un serviteur. En tant que serviteur, vous n'avez qu'à suivre les ordres. Comprendre. Pourquoi me parles-tu avec autant de colère ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Gul chérie, il revient de l'hôpital. Quand elle verra ces choses, son état pourrait empirer. Elle se sent mieux maintenant. Elle ne se sent pas mieux. Elle est folle comme avant. D'ailleurs, les médecins ont demandé de la faire pleurer. Laisse ces choses rester telles qu'elles. Pour qu'elles se souviennent, à l'arrivée de qui elle a déposé les fleurs, ils seront mis sur leur tombe maintenant. Comprendre. Et toi aussi, écartez-vous. Monseigneur, aie pitié de ma chère fille. S'il vous plaît, faites-lui prendre conscience de son environnement. Aie pitié de ma chère fille. Monseigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, aie pitié. Gul, chérie. La maison est-elle belle? Est-ce que maman et papa apprécieront? Aban, j'ai décoré la maison moi-même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce ici? Moise l'a remis à sa place. Arrête, Moise. Pour qui décorez-vous? Personne ne viendra ici maintenant. Ils ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas comme ça. Arrêtez ça. Que fais-tu? Que fais-tu? Non, jamais. Arrêtez. Ceux qui meurent ne reviennent jamais. Aban. Aban, s'il vous plaît, arrêtez, s'il te plaît. Ne pars pas. Laisse-moi partir, Gul. Gul. Tu penses toujours à Gul, je ne peux pas comprendre. Je suis Komal. Komal Jangir. Je sais très bien qui tu es. S'il te plaît, laisse ma main. S'il te plaît. Pourquoi nous punissez-vous pour ce que Gul a fait? S'il vous plaît, déjeunez avec nous. Je demande pardon. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que Gul avait fait. Pourquoi ce pardon? Mais Gul t'a giflé. Je veux dire, tu as dû te sentir mal. Une personne partage son chagrin et sa colère avec ses proches. La gifle de Gul m'a fait comprendre que je ne lui suis pas étranger. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. Rencontrez Gul. Je reviendrai pour rencontrer Gul. Il ne viendra pas à ma rencontre.